Yo, l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous êtes avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour une autre vidéo. Si c'est la première fois que vous visitez nos informations, nous partagez et intéressez-vous, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne de notification. Ça permet chaque fois que nous postons une vidéo sur la chaîne que j'ai une information sans problème. Il a attendu le commissaire gouvernement, M. Zamor, commissaire gouvernement Kwade Boukyak, qui a dit que j'ai engagé dans la bataille contre Gagnon. Mais il dit qu'il est obligé de casser tête tournée, il est arrivé beaucoup de lycée Faustin Premier. Et tout sur le tour dans le café Florio, il a remarqué que les policiers étaient déplotonnés, ils ont fini passer le pont à bas, toute zone ça a été un policier. Mais aussitôt, il a paraître. Dans la zone lycée Faustin Premier, il dit ouais zone dans blanche pour commencer, pas de policiers, et puis c'est Zam Cap marié. Ce n'est pas 15 minutes depuis que je parle avec lui, c'est, il a cassé tête tournée. Au contraire, il dit tout le monde qui a allé dans la zone, il n'est pas conseillé, lui-même il a allé dans le plateau central et pour déboucher dans la zone côté de Kafou, côté de station, machine qui sortit dans le plateau central dans un show. Dans la zone, il n'y a pas deux âmes qui ont tiré. Non commune quoi des bouquets. Donc situation gâtée net d'après ça auditeur ça et fin connaît. Dirigeant à ancien président Sénat Yuri La Tortue est trouvé hier dans le département Nord-Est puis précisément sous frontière République Dominicaine dans Wanamet. L'édital fait une conférence sur question sécurité dans le centre culturel Marie-Louise quoi David et maintenant et dans route et pour nous une solution adéquate et pour faire face carré à question insécurité. Nous connaissons le sénateur a un plan la promotion pour lui depuis Ariel Henry arrivé sous pouvoir pas jamais occupé. Sénateur Yuri La Tortue font plaidoyer en faveur en tête ensemble contre Gagnon sans perdre du temps et d'après ça le fait connaître pour demander pour ta gain réforme dans structure sécurité et dans la police non et puis l'armée bon l'armée Jovenel Moïse et puis arrête intelligence service intelligence les conseillers tout pour la police là continuer et rester dans zone l'elfine mener opération l'elfine et déchouquer gagne nous la tortue t'es parlé comme ça dans micro correspondant nous Simpson Charles Amazon. Moi, je crois que la situation qu'on vit à l'heure actuelle sont une situation qui est inacceptable. Et j'aimerais te dire, ce n'est pas ancien sénateur à Vimbalé, c'est ancien officier de forces armées, ancien commissaire divisionnaire de la police, qui présentait un plan by le premier ministre là et qui dit que nous avons résolu le problème. En plus de faiblesse infrastructure en sécurité, nous gagnons en question de politique dans la sécurité. L'État contribue beaucoup plus à raffermir les gangs au lieu de raffermir les policiers. Je dis à un travail qui est fait et comme de fait, moi faire avec les policiers, avec chef de police, pour nous comment nous renforcer l'institution en attendant que l'État d'accord pour que nous renforcer la sécurité en pays. Parce que je dis à ça, il est des milliers de monde à quitter la caillou, la plaine, il y a tout côté. Nous remercions l'ancien Magonaï, voire beaucoup qui recevront plus loin de la plaine. En plus, le monde de département de recevoir, mais il est acceptable. Les gars, et puis, ils sont venus, ils sont dans le cas là, ils ont c'est pour résoudre le problème, ça. Nous sommes d'accord pour faire, parce que la priorité, c'est le peuple haïtien. Et nous devons montrer mon lieu que ça m'a dit à nous qu'à faire. Moi, j'ai écrit en 2006, moi, j'ai présenté en 2016. Je dis à me retourner avec encore la police besoin en bien en unité anti-terrain qui pour résoudre le problème, ça. Et dans le temps, il faut nous gagner une réforme de structure sécuritaire avec la police, l'armée et l'intelligence. La police fait des interventions, il y a une force et faiblesse. Force, c'est que la police intervenue, côté que les utiliser blindés pour rentrer dans ces zones. Mais faiblesse de la police, c'est qu'il n'y a pas de consolidation. Dans toute opération policière, militaire, il y a les 5 paragraphes de l'ordre d'opération. Cinquième paragraphe là, le film occupé zone là, il faut la consolider. Nous, la police, aller la plaine, les fonds d'intervention qui retirent. Monsieur Rodounet, là, les Santos, c'est même bagaille. Nous invitons le chef de la police à envoyer le dernier paragraphe de l'ordre d'opération, qui est la consolidation, là où il retirer monsieur, pour que la police occupe son nom et que Mounio, Yoka, vive dans l'autre zone de droit et ne pas retourner dans la zone de droit. Monsieur Manon, on a dit, le effort qui est fait par la police, d'accord, mais la police manque équipement, la police manque corps pour intelligence, la police manque nous, ce n'est pas 50, ce n'est pas 60. Il faut former minimum 300 à 600 000 pour que vous unité qui permette de faire opération et de consolider l'opération.
Voilà, monsieur le président, c'est la dirigeant à sénateur Yuri La Tortue. Nous connaissons qui nous alliance à nos organisations par la peine modifiée, qui alliance avec projet Montana, et qui t'a parlé comme ça dans le cadre de conférence sous question sécurité de l'Alphène dans le Nord-Est, puis précisément dans Wadamet. Il y a un micro correspondant, Simpson Charles Amazon. Et propriétaire bateau voilier chaloupe sous de la Gonave dénoncé abus et mauvais traitement y a subi et non mais tout pour nous bonsoir information nous va gagner pour nous torturer nous faire nous bailler l'argent sans que nous pas connait qui côté l'argent ça aller et qui ça l'argent ça régler pour nous. Je dis à mesure que nous même nous prend étant que organisation et amateurs, d'après l'argent que nous baillons semaine, nous baillons payer 70 dollars ici, 70 dollars carrières, à raison de 140 dollars par jour. Si bateau nous gagne 365 jours de voyager, nous payer semaine 51 100 dollars. Et semaine exigeait nous, étant qu'amateurs, pour nous bailler 6 000 dollars par année qui égale avec 57 100 dollars. Nous même journée aujourd'hui, nous dit que nous bouquons parce que l'agence a eu, n'a pas là, comme taxe, yo t'a supposé retourner vers nous. Or, je ne vous dis, nous avons plus que 22 flyboats opérationnels. Là, nous dit opérationnel, c'est flyboat cap travail. L'un flyboat là, sorti de Ansagalè et Carrières, Carrières, Ansagalè. À raison de deux postes à yo, ou bien 140 dollars par jour à payer. Je ne vous dis, si nous avons gagné 57 100 dollars, pour un grand flyboat, sous ta multiplié par 22 flyboats opérationnels, nous venons que nous gagnons 1 256 200 dollars haïtiens pour tout flyboat ça qui est opérationnel là. Je veux dire, nous dit que avec ces malades, nous pas qu'à avancer encore. Nous demandons l'État en soi. Prends responsabilité par rapport avec l'argent que nous-mêmes n'a pas joué aujourd'hui, qui près de 7 millions de gouttes par année. Nous dit l'État, pour nous avancer dans la logique, mais ça que nous demandons. Nous demandons pour l'État haïtien, malgré les faiblesses en dedans, pour que vous mettez deux mondes qui peuvent faire perception pour l'État, pour nous, pas baisser semaine comme encore. Nous dit les gens qui peuvent faire perception, il y a mettre deux représentants contribution là. M'a payé contribution, même fin payé contribution et avoir une semaine pour bon mon papier. Ça veut l'expédition. Voilà, c'est amateur bateau, propriétaire bateau, voilier, chaloupe, les îles de la Gonave, et qui t'a dénoncé semaine. C'est amateur Blaise Océan qui était porte-parole, secteur ça, dans conférence pour la presse côté correspondant nous. Jean Preston Toussaint est présent pour Radio Kiskeya. Nous, l'autre pas toujours en province, fois ça, nous parler dans le nord-ouest. Mon cap vive, zone, les hauts fourneaux, 6e section communale Port-de-Paix. Dénoncer Josué Alisma, qui est agent exécutif intérimaire en tête commune Port de Paix, il a dit qu'il a marché et fait va et sous terre paysan, il a cité pour vendre par l'autre particulier. Nous avons logé et sous agent exécutif intérimaire Josué Alisma, qui a vendu la diaspora, une terre qui là pour construire l'école pour communauté a pour plus passer 90 000 dollars ou même plus t'attendre quelques monde dans zone là qui t'a dénoncé agent exécutif intérimaire en tête commune Port de Paix dans micro correspondant nous c'est Jean Ouskis et Alisma qui voulait venir détruire dans zone là qui voulait venir faire quitter zone là côté lui voulait prendre tout terrain dans zone là pour distribuer à l'autre monde à faire bon pour faire deal paille pour bagaille qui gagne pour Alisma ta résoudre dans zone ça m'pa croire. C'est Pep Ofunoa, petit Ofunoa qui là depuis combien de temps et cap vive là, qui rend Ofunoa qui subit ça. Pour nous même Ofunoa, nous pas gagne de Ofunoa, nous pas gagne l'église Ofunoa, nous pas gagne l'école Ofunoa, nous là dans une situation qui dit pour nous même. Parce que gens pour nous taire nous pas comme ça, nous pas gagne l'état qui nous aide. Pour aider nous avec Timounio. Timounio dans misère dans main nous. Là pour Timounio taire l'école, nous gagne 50 l'argent pour nous payer moto aller et tout. Pour tout le monde qui travaille à l'école, il ne faut pas nous pour nous payer moto. Si nous avons été là, il n'y a pas qu'à l'école. Ça fait qu'à l'école, c'est pas quitté. Nous ne pouvons pas être allés. Tout le monde a couru dans sa vente. Il y a un autre qui est allé dans la mer.
Alisma, c'est pas Ivoire, là pour régler. C'est pour pas qu'il y ait Alisma pour régler. Nous-mêmes, nous avons géré pour l'État, l'État n'a pas fait nous souffrir. Nous n'avons rien à mettre nous. Nous, l'État nous retenons, désolé, parce que l'État va aider de nous faire rien. Nous n'avons pas de l'eau, nous n'avons pas de santé. Je me dis, nous avons souffert devant. Je ne peux pas dire que ça coûte qu'on l'a écrasé. Il va faire rien pour nous. Je ne parle pas de l'Alisma, mais besoin nous dans la zone, mais ça nous a besoin. Il dit, il a besoin de nous, il va jamais nous. Le possible, nous, c'est venu, ils vont faire l'école là pour 90 000 dollars américains. Pour 10 ans, première fois, nous avons mené une tendance au fond de gain de mètre. Bah, j'aime qu'on ait payé ça à gain de mètre. On t'a pour le grand monde, c'est quoi? Nous demandons pour Alisma, dans nos zones, tout le monde qui est en vente, c'est pour y remettre mon l'argent parce que terre, c'est terre. Alisma pas capable de tant que un magistrat. C'est ouais, puis voler bien nous, ou bien puis venir prendre héritage nous pour la vendre, pour la faire comme pendant ce temps nous-mêmes, puis qui donne nous nos nécessités. C'est un pour voler, voler pour aller. C'est pour nous. Je vais laisser un cap grandir. Comment on va laguer? Va faire un pour vous, vous là, vous devez vous venir nous dire. Quand on fait, allez-y, on va faire un pour vous. Voilà, c'est au Fourneau, 6e section communale Port de Paix. Nous avons parlé de Nico correspondant nous dans Nord-Ouest, Seigneur Huskis. La police dans le département NIP a présenté bilan sorti 22 mars pour arriver 22 avril. Et dans une conférence pour la presse, porte-parole de la police dans le NIP, Astrel Calix, fait connaître la police dans le département et a arrêté plusieurs individus qui sortent dans le département l'Ouest et qui ont commencé à faire mauvais actes dans le département NIP. Plus de détails avec Louis-Jean Jocelyn. Sorti 22 mars pour arriver 22 avril 2022, la police nationale du département NIP pendant la période ça enregistré 50 cas et puis procédé à arrestation 56 individus mal intentionnés. Ils ont reproché pour diverses infractions, tant que association malfaiteur, viol, vol, tentative d'assassinat, tentative de viol pour citer ça seulement. Porte-parole la police pour département NIP, Astrel Calix, fait qu'on ait arrêté plusieurs individus qui étaient sortis dans la capitale haïtienne, dans Port-au-Prince, pour des victimes paniques dans le département NIP. Pendant le profiter, demander la population pour continuer à bailler la police information sur tout individu qui a remarqué qu'il avait caché dans la zone. Astrel Calix, c'est porte-parole la police pour département NIP. La population que dans le cas de l'association malfaiteur, nous avons des hommes qui sont du côté de et dans le département de l'Ouest qui étaient entrés dans la juridiction département de NIP, mais malheureusement qui n'ont pas fait respect yo, et nous-mêmes nous arrivons et météo sous le verrou. Et je n'ai pas dit à répondre à la question de la justice. Nous pas bah, grand détail sur le monde ça, yo, pour éviter trop flûte dans l'enquête là. Nous avons souligné tout. La population nipoise, nous avons demandé parce que nous, en plus, nous remercions pour la collaboration franche que vous gagnez avec nous. Parce que grâce à vous, nous arrivons à faire un pile coup de filet, nous arrivons à interpeller un pile monde. Nous avons fait remarquer, porte-parole la police a fait déclaration ça, dans le cadre de la conférence pour la presse 13 mai 2022, pendant le table de ce bilan, ensemble opération, la police mène le département des plans dans le cadre de travail. Yo. Depuis Miragouane Métropolitain, Louis-Jean Jocelyn, Radio Kiskeya. Merci, on a porté dans la capitale là, directeur, nouveau directeur général office assurance accident, travail, maladie et maternité au FATMA, docteur Carl François, et présenté situation du jeune au FATMA. Et dans la première conférence pour la presse, il dit ça fait le procès de décision administrative et institutionnelle pour être capable de redresser la situation dans le Fatma des jeunes qui étaient en faillite. Et il annonçait pour être capable de redresser l'institution publique, ça prend une série de décisions. Et ça dit dans la conférence pour la presse, il va jeudi, dans le bureau au Fatma, Delma 95, directeur général au Fatma, fait qu'on a une difficulté aux jeunes. Et institution te gen pile dette et puis te gen en pile employé et gen une série de dépenses inutiles et qui t'a fait les préciser quantité personnel là fait que bon chaille 78 millions de chaque mois. Directeur général au Fatma fait qu'on est pour redresser situation au Fatma. Première action posée c'est éliminer tout chèque zombie
et commencer payer dette li joine institution gain envers l'autre institution, réduit quantité employés qui pas répondre à qualité service yo besoin bay et puis éliminer une série de dépenses inutiles. N'attend le directeur général au Fatma docteur Carl François dans conférence pour la presse côté Didier Parent est présent pour Radio Kiskeya. Premier bagage que nous faisons, c'est effectivement essayer d'éliminer tout chèque, entre guillemets, zombie. En même temps, tout, nous essayons d'assainir dette d'institution. Donc, nous essayons, autant que ça se peut, payer toute une série de créanciers que nous gagnons, en particulier des hôpitaux que nous gagnons des dettes par rapport avec eux, qui fait partie du réseau de prestations, de soins cliniques. Nous essayons de commencer à amortir dette que nous gagnons par rapport avec l'hôpital Saron. Et mes dettes ont été quand même assez importantes. Maintenant, nous essayons de faire un effort tout de récupérer récupération de dettes que d'autres institutions ont par rapport avec OFATMA. Tout. Et sous point ça, m'a rappelé un bagage que peut-être tout le monde doit connaître, que OFATMA, c'est une cotisation à OFATMA, c'est une obligation légale que l'IA. La loi a demandé que toute entreprise de plus que 3 mois cotise là OFATMA pour protéger ouvriers et salariés qui travaillent à la CAI. C'est une obligation légale. Nous faisons effort toujours sur l'aspect financier d'éliminer le maximum de dépenses inutiles. M'a quand même souligné que question personnellement, c'est quoi qui pilote pour l'institution. Nous sommes en train de rationaliser personnel au niveau de l'institution. Taille actuelle de personnel permet que nous gagnons charge de près de 78 millions de gourdes mensuels de paiement avec 2200 personnels. Nous arrivons par diverses approches réduit personnel ça. Nous avons à peu près 150 personnels non essentiels que nous séparons déjà de eux, qui permettent quand même déjà une économie de 60 millions de gourdes annuels, quasiment presque un mois de paiement de payroll quasiment. Okay? Ça, son premier pas que nous faisons et nous continuons à faire. C'est sûr que ce n'est pas des bagailles qui vont le faire sans nous. C'est des bagailles qui nous comprennent ça. Dans un pays qui est quand même difficile, qui n'a pas trop de travail. Nous avons quand même, pour nous, nous quand même, il faut consulter des contrats. Déjà, il y a des provisions que si il y a des problèmes financiers, par exemple, pas seulement des problèmes financiers, mais en tout, que nous sommes capables de se mettre fin à contrat. Bien sûr, on a continué à réduire parce que l'institution, c'est une question vitale que nous avons aujourd'hui. Pour une taille qui est appropriée, taille institution en termes de personnel, je n'ai jamais dit inappropriée. Nous avons un exemple aussi simple que ça, qu'on l'hôpital qui a 4 cabanes, et puis qui en même temps tout qui a 40 infirmières là-dedans, qui a 10 infirmières pour chaque 20 gamins. Par exemple, tout mon service, tant que mon service sécurité, on a 39 sécurité. Il n'y a rien que entre l'hôpital là et ciel central. À regarder si bon travail sécurité sérieux qu'a fait au niveau de l'hôpital là ou bien de ciel central. Je vais regarder, mais vite à regarder. Ou bien où il y a nos services et côté où je viens près de 10-11 avocats. Mais c'est bon. Mais si vous faites pas, c'est pas fait droit. C'est bon cabinet d'avocat. Donc en fait, faut bien comprendre que c'est des évolutions qui sont faites pendant des décennies, en fait, des et des années. Chaque nouveau directeur général vient limiter en quantité de personnel qui proche, etc. Et au final, on retrouve avec des situations pareilles. Ou bien on retrouve avec un service informatique qui a 21 informaticiens. Je donne des exemples concrets. Qui a 21 informaticiens. Bon, même en Silicon Valley, côté, on pensait que pour avoir des entreprises d'informatique qui va inventer un informaticien là-dedans, au Fatma. Et ce n'est pas un métier, nous. Voilà, c'est le nouveau directeur général au Fatma, Dr. Carl François, qui a annoncé la fin ménage dans l'institution, les jeunes qui ont failli. Directeur général au Fatma, Dr. Carl François, a profité occasion de ça pour annoncer ça qui gagne en perspective pour l'institution publique, ça. Et une institution de service public. N'attendez toujours dans la conférence pour la presse à côté d'Ido Parent est présent pour Radio Kiskeya. Nous avons de nouvelles perspectives en matière d'offres de services que nous développons. Nous avons assurance carte santé professionnelle pour travailler autonome. Là, on a parlé de tout travail autonome, que ce soit un paysan ou bien un marchand ou bien un chauffeur moto, etc. En général, il n'y a pas couvert par assurance vraiment. Okay? Donc, nous développons un produit
OK, pour essayer de couvrir, OK, travailleurs autonomes ça. Que nous ayons les cartes santé professionnelles pour travailleurs autonomes. Mais question assurance étudiant, c'est des groupes particuliers que nous commençons à travailler déjà avec eux. Nous avons toujours la perspective, nous avons une perspective pour nous ouvrir barème de prix. OK, que au Fatma payé à l'unité périphérique. Et donc, déjà, bon travail qui fait sous ça. Et il y a des ententes que nous quasiment jeunes déjà avec l'unité périphérique. Nous passons à créer un fonds. Et ça, c'est dans le cadre de discussion qui est capable de gagner avec d'autres entités au niveau gouvernemental. À créer un fonds qui est capable de permettre de prendre. On a dit que des accidentés capables de prendre soin, ok, le des accidentés qui sont de la route, ok, et capables de prendre soin, ok, dans le cadre toujours au voir au Fatma lui-même, ok, et qui est allié à une espèce de vignette, ok, que il était capable de prendre pour créer fond ça, un certain montant de cotisation à partir de vignette là que tout véhicule roulant, ok, était capable de prendre. Donc une espèce de vignette d'accident. Voilà, c'est nouveau directeur général au Fatma, Dr. Carl François, première conférence pour la presse, concernant qui j'en joigne au Fatma et qui ça le compte faire pour mettre au Fatma sous pied. Conférence pour la presse, dit vos parents découvrir pour Radio Kiskeya. Na pour tourner l'actualité internationale là, direction Finlande, dans le nord continent européen, qui a frontière plus que 1500 km avec la Russie. Et la Russie coupé l'électricité, ni qu'on vend la Finlande à travers une compagnie, ni gagne qui établit dans le pays ça. Et la Russie, à partir de demain, pas livrer la Finlande en quelle électricité encore, et à cause de pas payer compagnie et Russie. Et c'est ça, je vous dis à fournisseur, il est au Nordic Oil, et qui c'est une entreprise russe à 100%, et compagnie les Interrao, c'est le même qui a opéré, qui est basé dans Helsinki, capitale pays Finlande, fait qu'on est au Nordic Oil, et pas recevoir l'argent. Et Finlande doit payer pour l'électricité le fournir depuis la date 6 mai. Et c'est ça, groupe là, fait qu'on est nous communiqué, lui parler de moyens pas gagner lui-même pour payer. Et l'électricité l'acheter à partir de la Russie pour le vendre Finlande. Bon côté parle, opérateur réseau finlandais à lui-même, et fait qu'on ait un INSA. Il n'a pas besoin de l'INSA, il dit que bon, il y a moyen pour passer tête de l'électricité qui sortit dans le pays de la Russie. Et à nous, ça arrivait pendant que tension a monté sérieusement entre pays nordiques, particulièrement deux là-dedans, Finlande avec pays la Suède et Moscou monstré. D'après d'avoir deux pays sérieux, ils ont montré détermination pour entrer dans l'OTAN. Et ils ont annoncé dans ce sens ça et officialisé des mâchoires sans perdre du temps. Et l'OTAN, à cause de gens, la Russie varait, l'a fait la guerre dans le pays Ukraine. Alors la Russie, il a dit une petite dépense, il a fait tout pays qui dans zone tout près de l'OTAN, il a peur et pour ne pas faire même. Genre, Ukraine, ben, Ukraine pas même l'OTAN. Quand il y a une intention pour entrer dans l'OTAN ensemble avec l'Union européenne. Mais au lieu de faire pays ça au peur, au contraire, et faire au peur pour ne pas l'entrer dans l'OTAN, c'est courir, faire courir à l'entrée dans l'OTAN. Nos intentions, Moscou pas avec un bon jet du tout. Et Kremlin déjà frappé pied à terre, il fait qu'on ait une grosse conséquence militaro-technique si Finlande avec la Suède vont à l'entrée dans l'OTAN. Et hier, c'était Finlande, président et premier ministre, qui était annoncé de pouvoir déposer candidature en volontaire. Et bien, il y a un rapport officiel de côté de la Suède. C'est même le régime gouvernement, c'est social-démocrate, tous les deux, qui ouvre une route pour entrer tout dans l'OTAN, jeudi, officiellement. Et toutes conclusions allaient dans ce sens, presque moitié, et dans 10 millions de Suédois, d'accord pour payer entrer dans l'OTAN. Et décision pays nordique ça après même Jacques voisin finlandais et nous jouons cap venir là après plusieurs décennies côté pays ça yo pas dans qu'une alliance militaire yo té dit c'est des pays neutres yo téyé Helsinki avec Stockholm yo gen pour annoncer pour plus tard dans commencement semaine prochaine là officiellement candidature pour rentrer dans l'OTAN à cause de ça qui a passé quoi de là dans pays Ukraine. Chaleur a toujours dévoré de pays dans le sud continent asiatique, là, tant qu'Inde et Pakistan. Je dis à 50 degrés Celsius dans le pays Pakistan,
côté Asie Sud et continent asiatique là. On l'autre fois encore, je dis à la faire face à une chaleur canicule débordée et autorité yo mandé tout le monde prendre précaution yo parce que a des problèmes d'eau et tout santé yo menacé. Et gagne un bon parti dans deux pays ça et dans Pakistan et depuis Philippines avril là qui a fait face à une vague chaleur sans pareil qui bat toute qualité record. Organisation météorologique mondiale OMM dans même Jacques Nations Unies yo estimé gens situation y en Inde ak dans pays Pakistan l'aller dans sens et changement climatique là et matin température te monté jusqu'à 50 degrés dans ville Jacobabad et dans province sud pays Pakistan et côté service météorologique pakistanais yo et précisé et pendant toute fin de semaine là c'est capable température ça qui a gagné un plus fort côté dans territoire et c'est comme si senti son du feu qui a boulé tout sous côté nous c'est ça Chafi Mohamed un ouvrier agricole dans un village qui tout près ville ça relé Jacobabad a déclaré et dit nous pas qu'à joindre de l'eau pour nous boire et sous plan national température li 6 à 9 degrés en plus ça te doyé dans saison ça selon service météorologique pakistanais PMD. Thermomètre là jeudi a te monté jusqu'à 40 degrés dans capitale la Islamabad, toute l'autre grande ville tant kou Karachi dans sud, Lahore dans est, Peshawar dans nord-ouest et tout a mouri en bas chaleur. Année ça nous sorti directement en hiver et nous tombé en été. C'est sa chef service météo dans pays Pakistan, Zahir Ahmad Babar déclaré. Et c'est même situation ça tout dans pays Inde. Côté prévoit pendant fin de semaine maintenant qu'a monté jusqu'à 40 degrés. Gade côté dans pays Pakistan, même Jean ak dans pays Inde, nous a chita directement dans rivière. Et en hiver là, te manqué glace pour fleuve ça qui sorti depuis Tibet qui traversait Inde pour le Pakistan pour tomber dans la mer d'Arabie et Pakistan gagne 220 millions habitants. Et pourtant, il est responsable seulement 1% dans l'émission de gaz à effet de serre. Et elle même de passé 1 milliard de monde qui a vivre là-dedans. 1 milliard 300 000. La caille panneau, je dis 13 mai, vendredi 13 mai, pour superstitieux, donc on est dans le pays États-Unis, par un ascenseur qui marque 13. Il y a un peu de monde qui évite de faire une activité jeudi. Et 13 mai 2022, ça fait 20 ans. Depuis quartier Cité Soleil était considéré comme plus gros bidonville qui était gagné dans la capitale là, était venu transformer, il était attaché à commune Delma, vin tourner et à partir de arrêté présidentiel une commune. Et dans occasion 20e anniversaire Cité Soleil comme commune, il y a divers citoyens qui regroupent tête yo en dans structure les initiatives citoyennes pour changer Cité Soleil ICCS qui lance un rel en moi bay tout gang yo qui a boumé nan cité a pour déposer les armes et puis prend chemin la paix pour commune nan pas disparaître. Yon nan porte-parole ICCS là qui c'est le Canadien Belizère déclaré dans conférence pour la presse jodi a li bay nan zone centre et pièce moun pas capable procher pour entrer dans centre Cité Soleil et pour quelque raison l'état doit faire tout ça li connaît pour sauver cité d'après ça le fait connaître et qui gagne en pile activité pas qu'à fonctionner dans cité tant qu'au marché et c'est gang seulement qui a fonctionné dans cité a n'attendez Canadien Belizère dans conférence pour après ça côté Amos Beville était présent pour Radio Kiskeya. Bon combat malgré situation désespérée, situation misère, insalubrité, grand groupe et insécurité qui a ravagé la commune. Pendant la matinée, historicité commune, sorti dans l'année 1963 pour arriver le 13 mai 2002, Cité Soleil qui sorti dans un quartier pour élever au rang commune, taillon arrêté présidentiel, qui pourra le faire Cité Soleil vient grand monde tête. Côté plusieurs femmes et garçons viennent jouer en pile privilège. Ils viennent députés, ils viennent magistrats, ils viennent kazek, azek, de Lévesville. Pourtant, situation commune vient à dégrader jour après. Dans l'occasion 20e anniversaire commune, ICCS, qui regroupe toute organisation dans la société civile, a lancé un message d'amour
un message de paix, de vivre ensemble et réconciliation pour chaque petite cité, et spécialement si la yo qui gen zam kap goumen yon. La paix et réconciliation, c'est celle chimère qui a mené la commune dans bon genre et développement et sécurité pour nous, une cité soleil 20 fois plus belle. Dans l'occasion 20e anniversaire commune, ICCS vient demander une autre fois encore pour nous offrir cité soleil qui c'est maman nous, un gros cadeau. Anniversaire. Déposez toutes les amis, profitez toute semaine ça pour nous publier sur les réseaux sociaux le message de la paix et réconciliation en la commune. Bye accepte pour circulation dans toute la route principale pour tout le monde capable de circuler libre et libre. Nous profitez même occasion ça pour nous voyer une sympathie by tout le monde qui vit dans plein de kin de sac là. Nous disons, nous comptons à passer, et spécialement nous qui dans la commune Cité Soleil. ICCS, dans ce bail l'État pays nous, principalement Dr. Ariel Henry, Premier ministre. Cité Soleil, Kabel, la paix capable de retourner pour vous en dans tout quartier. Si toutefois problème ça, nous pas le citer là et à résoudre. Absence totale l'État dans la commune. Résoudre problème infrastructure en dans la commune. Mettre sous pied de gros programmes, travaux, cash forêt à haute intensité MEDEV pour jeunes avec chef famille capable de travailler. Intégrer société civile là dans toute démarche qui vise développement dans la commune. De l'autre côté, ICCS a demandé à tout acteur politique pour faire un dépassement de soi, pour être capable de chita ensemble dans l'intérêt national. L'élection pour être capable de choisir les dirigeants qui peuvent diriger, sortir dans le délégué ville, j'y suis dans le président. Vive commune, Cité Soleil. Vive la paix et réconciliation dans toute commune. Nous paraîtons pour la paix et réconciliation, pas disparaître. ICCS. Nous sommes citoyens canadiens bélisaires. Dans conférence pour la presse qui fait partie de l'association ça initiative citoyen pour changement Cité Soleil ICCS toujours dans conférence pour la presse sous bord par une ancien magistrat en après qui était sorti dans élection 2006 Gustave Benoît lançant appel by gang yo pour yo bay commune Cité Soleil yo chance parce que yo doit reconnaître ces petites Cité Soleil yo yé même gens à tout l'autre monde qui a cherché et la vie mignon et population gain droit pour vivre dans une situation la paix pas qu'à une situation malouk ça ancien magistrat en après Gustave Benoît a profité mandé acteurs politiques yo pour arriver faire un accord et qui a gain impact sur terrain politique là et qui a dans intérêt peuple haïtien n'attendre ancien magistrat après être passé dans élection 2006 Gustave Benoît dans le cadre de conférence pour la presse concernant Cité Soleil qui a 20 ans depuis la commune et Amos Breville était présent dans la conférence pour la presse. Un peuple sans histoire, c'est un peuple sans mémoire. Dans l'esprit ça, nous-mêmes, organisation ICCS, qui regroupe tout secteur en d'accord. Dans les années 63, Cité Soleil était fait par quartier Port-au-Prince, en commune dans le département de l'Ouest. Quelques temps après, il a fait une section communale, mairie d'Elma, commune d'Elma. En 2002, par un arrêté présidentiel, Cité Soleil vient une commune. Moi, c'est le premier cartel magistrat qui était élu dans Cité Soleil. À l'époque, nous étions rentrés, Cité Soleil était en cours, un cimetière vandalisé. En haut, pas de monter en bas, pas de descendre, la mise à terre était raide. Avec effort de marche qu'on a fait, nous avons restauré l'autorité de l'État dans Cité Soleil. Nous avons permis à Cité Soleil de commissariat à tribunal et réparer toute question étatique qui donc l'ordre d'apprendre dans Cité Soleil. Avec un pile de zones qui finissent faites parce que l'élection n'est pas faite à temps. Cité Soleil passe cartel, transition, même j'en ai changé chemise. Et ça qui peut le faire Cité Soleil. Soleil négligé et je dis à c'est insécurité et insalubrité qui personnalise Cité Soleil. C'est pour ça, matin, nous venons demander à tout frère d'action, nous, qui n'a belle commune, ça qui c'est commune Cité Soleil, si ce n'est pas nous, mais nous, nous, déposer ZAM, permettre ouverture route principale, nous, faites pour nous, qui rentrer, pour nous, qui sortir, placer toute vaille, nous, pas y craignons là aussi, cap nous, 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 soyons bande frère. Nous, conscients et nous, connaissons municipalité qui l'a dépassé par les événements. C'est pour ça, nous, demandé
intervention de l'État central là, pressé, pressé, vient restaurer l'autorité de l'État dans ce soleil et permettre que les gens soient capables de vivre dans le monde dans ce soleil. Même j'en ai demandé, libérer Matissan, libérer Gravine, Solino, Belé, Badelma, j'en ai demandé libérer et Village de Dieu à tout côté qui gagne, groupe armé qui a simé la terre. Je pense que c'est pour l'État central à la hauteur des tâches. Pour ça, j'en ai demandé, messieurs, dames, politiciens, qui gagne accord à gauche, accord à droite, yo. Pour unir tout accord ça, yo, dans un seul accord qui pas en désaccord avec les peuples haïtiens, côté tout le monde qui a tombé d'accord, pays n'a pas arrêté, état côté lié. Nous pas qu'à faire ça à Haïti. Haïti descend trop bas, puis bas toujours c'est l'abîme, tout a fini. C'est pour nous mettre tête, nous, ensemble, même j'ai accité soleil, qui a fêté 20 années naissance, li. Non, insécurité, non, insalubrité, non, injustice. Non, c'est la misère à faire le plein. Non, injustice sociale. C'est pour ça, n'a pas demandé à Frère Seigneur, faire la paix une à l'autre, réconcilier une à l'autre, pour nous faciliter l'État, venir faire le travail qui doit être fait dans la commune Cité Soleil. Ancien magistrat après élu en 2006, Gustave Benoît, à l'occasion 20 ans depuis Cité Soleil existait, nous connaissons concentration de problèmes Cité Soleil représenté. Il vient de faire le commune à tout problème. Yo. Jean que nous te connaissons, qui était toujours un qualificatif pigo bidonville et pays. Donc ça fait 20 ans depuis il séparé le pont Cartier encore dans la commune d'Elma, mais il vient une commune, mais une commune sans ressources. Yon l'autre part, yon organisation, yon rele Observatoire Patrimoine, nan tête collée ak yon l'autre rele Cap Line, annoncé a organisé soti 20 pour rive 21 mai qui a venu là nan Hôtel Royal Oasis ak nan Université Kiskeya, première édition et sommet sur journalisme ak nouvelle technologie information ak communication. Thème nan c'est Jeunes d'Haïti viser la lune pour atteindre le sommet. Nan yon conférence pour la presse nan hôtel Doux Séjour nan Pétionville, à la tête organisation les Cap Light dans Robin Cher fils parler de importance communication nan mode n'ap vivant par rapport à émergence nouvelle technologie communication. N'ap tande nan conférence pour la presse à côté Joubert Joseph te présent pour Radio Kiskeya. Sommet li pral gagner plusieurs ténors ou encore moun qui plus ou moins gagne en grande capacité en communication qui pral discuter avec jeunes yo, mais li surtout axé sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication, le journalisme et le développement. Donc tenant compte de importance communication nan monde lan, nous imaginer en Haïti qui sont pays plus ou moins yo gade li comme yon pays pauvre mais qui vraiment très riche. Donc nous te vle mette en tête pour que nous placer en ligne de compte ni moun qui plus ou moins âgés et qui ont une grande capacité en communication, ni jeunes, nous font maillage intergénérationnel. Parce que en réalité, nous tenons compte que en Haïti, on a toujours dit, par exemple, un proverbe, si jeunesse savait, si vieillesse pouvait. Donc, nous allons mélanger les gens ensemble pour que nous réalisions ce message. Il y a plusieurs acteurs. Mais pas bien que bien au niveau d'insécurité, ça qui permet que en pile dans participants, nous, papka, en pile dans intervenants, nous, d'ailleurs, papka là, en présentiel, c'est ça qui fait sommet à l'IAC sur la, sur les NTIC, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ce qui fait que, avec l'internet, tout est possible. Donc, yon moun ka a aux États-Unis, li ka en Suisse, li ka au Canada, li ka n'importe qui côté dans le monde là, et li intervenu. Donc, nous gagnons, par exemple, Mike Bello, qui sont jeunes, qui t'a vivre en Haïti, qui part en Haïti encore, qui aux États-Unis, qui a intervenu en ligne. Nous gagnons demoiselle qui est Rose Lumane Saint-Jean, qui était championne concours d'éloquence à l'Université Panthéon Sorbonne à Paris, donc qui a intervenu normalement en ligne. Et par la suite, nous gagnons tout Bodoun, qui aux États-Unis est un tas d'autres gens qui pourraient intervenir normalement en ligne. Donc voilà, à bien moun tout en présentiel. Donc, sommet à normalement, on a travaillé du conseil avec partenaire nous, parce que nous pas voulu justement mettre un prix. Parce que la parole pas forcément douée, tout comme l'eau, tu as supposé plus ou moins gratuite. Donc, on a travaillé avec partenaire nous pour que l'y fait totalement gratuit. Normalement, pour moun participer, c'est difficile puisque nous t'étions lancé, t'as dit, enregistrement yo en ligne et nous avons pile moun qui déjà enregistré, pas vraiment grand pile place. Nous croyons que date 17
27 ans là, c'est pour le dernier jour côté que n'a mettez liste moun qui recruté yo, mais jusqu'à présent li encore on t'a dit un peu tôt pour moun qui t'a souhaité participer, mais c'est surtout si moun ça li très très motivé puisque donc li pral ka écrit moi directement sur 4207 4440 par WhatsApp seulement et que là m'a voyé un Google Form qui permet que moun ça li plus ou moins gen chance pour que li participer dans sommet ça qui a fait dans deux espaces comme nous mentionné déjà qui c'est Oasis Hotel et normalement Université Kiskeya. Donc pral gen des ateliers etc côté que jeune yo pral partager connaissance avec des seniors pour que yo plus ou moins gen connaissance sur la communication, car on dit souvent au commencement c'était la parole et la parole c'est plus ou moins primordial. Jour c'est 20 21 mai vendredi 20 et samedi 21. Première journée elle a déroulé normalement à l'hôtel Royal Oasis et deuxième journée elle a déroulé à l'Université Kiskeya et c'est là pral gen des ateliers plus ou moins avec ensemble de intervenants yo tant que Danzi Lonea qui c'est directeur Bibliothèque Nationale d'Haïti, tant que monsieur Philippe Dodard et qui pral mailler plus ou moins là parce que c'est directeur de l'ENAPS, il pral mailler là et la communication pour le montrer moun yo plus ou moins comment avec là ou cap utiliser communication pour permettre qu'on tableau qu'avant un peu partout à titre parce que si que son premier ministre dans mon pays ou présenter président tout et tout bas ça passe de midi soir ou pas dire rien sérieux sur ça tout connaît dans pays c'est gang qui installé jusqu'à présent ou même en tant que premier ministre pas faire aucune déclaration ou, c'est que plus intéressé à voir tu ça passe ça passe dans notre pays au lieu de parler de ça va passer dans pays d'Haïti. Parce que nous, toute province qui dans la que c'est gang capta et mandat, c'est que, bon, en fait, t'es toujours gang, gang. Mais Jean-Pierre Yavin, je vous dis là, il y a une gang sécurisée, ça a ce problème lié. Nabdi avec, et pour nous, c'est encore capable de faire tout ça qui dépend de nous-mêmes dans ces SPN-là, quand il faut un phénomène d'insécurité, ça. Déclaration Pierre-Noël Jackson, organisation PNDDH et plateforme nationale pour progrès droit monde. N'a pas tout une actualité internationale là, côté président Biden recevoir hier ak jeudi an, dirigeant ASEAN yo, organisation qui rassemble les nations asiatiques yo, et président américain Joe Biden accueilli jeudi an dans Maison Blanche hier ak jeudi an leader ASEAN yo dans cadre d'une opération charme pendant deux jours hier ak jeudi a États-Unis ak dirigeant pays Asie du Sud-Est yo yo de discuter moyen pour renforcer relations économiques ak sécuritaire ak pays États-Unis et administration Biden nan vle montrer et stratégie pivot et asiatique lan qui c'était programme président Obama que président Trump te abandonné a toujours été en priorité pour administration nan dans cadre stratégie ça pour influencer l'autre pays qui dans zone asien pour la Chine pas dominer toute zone indo-pacifique là depuis dans premier journée rencontre ça avec dirigeant association nation et Asie du Sud-Est ASEAN président américain Soti Kanechekli il prend engagement sur global 150 millions de dollars dans série de projets tant qu'aux infrastructures sécurité maritime et énergie propre. Mais comme ça paraît dérisoire par rapport à valeur l'argent, la Chine a fait avec un pays sahéo qui vient mettre États-Unis dans deuxième position et l'ivine premier partenaire commercial ASEAN et dans année 2020 échange commercial entre la Chine et pays sahéo qui dans même continent avec c'est monté 685 milliards de dollars. Mais Washington mise sur l'autre investissement surtout dans le secteur privé. Président Biden doit lancer formellement semaine prochaine nan, pendant visite dans Tokyo, capitale pays Japon, à Séoul, capitale pays Corée du Sud, deux alliés économiques dans zone ça économique militaire et politique, une grosse initiative commerciale et cadre économique pour zone Indo-Pacifique là, une tentative pour capable remplacer partenariat Trans-Pacifique là et administration Barack Obama a initié, mais Donald Trump t'a prêlé abandonné. Et sommet qui a fait qui a fini jeudi a c'est tout occasion pour Washington encourager partenaires li dans ASEAN pour condamner invasion la Russie fait dans pays Ukraine mais jusqu'à présent pour raison économique ou bien pour raison politique plus fort pays qui sorti dans continent asiatique là de refuser prend parti dans dossier ça yo pito et rester neutre et côté yo pas ni pour ni contre les votes a fait et dans Nations Unies et sous dossier Ukraine. N'a pas continué journal là
n'a vini avec conférence pour la presse ça qui était bah hier c'est centre d'art dans tête collée avec UNESCO qui a annoncé il a présenté sorti 14 mai pour arriver 18 juin une exposition dans local maison du Forlan qui porte le nom Archipelago côté gain 9 artistes femmes dans Caraïbes blanc qui a exposé œuvres dans conférence pour la presse yo était bail dans maison du Forlan directeur exécutif centre d'art là Alain B. Augustin te porté précision sous exposition ça qui c'est résultat un programme les résidences croisées centre d'art initié Alain B. Augustin précisé œuvres qui fait partie de exposition ça va durer un mois c'est dans cadre initiative sa résidence croisée sélectionné yo n'a pas le directeur exécutif centre d'art Alain B. Augustin centre d'art et dans conférence pour la presse à côté Joubert Joseph était présent pour Radio Kiskeya. Neuf centre d'art lancé vraiment un programme et de résidence croisée, mais c'est plus un programme qui en fait permet pour mettre en réseau toute institution culturelle dans Caraïbes. Donc il travaille ça, il fait avec des objectifs que, qui étaient fixés. Et un objectif qui était fixé dans le cadre programme ça, c'est en fait faciliter des résidences croisées entre Haïti, c'est-à-dire avec 5 autres pays dans Caraïbes là, qui appellent porter des 10 artistes, 5 en Haïti, 5 qui sont dans le pays Caraïbes là, qui peut être capable de venir faire résidence. Alors c'est intéressant parce que résidence ça, travail ça permet que artistes créer des liens entre artistes, créer des liens entre artistes et artistes haïtiens en général qui participent dans la résidence et permettre que eux-mêmes comprennent mieux les pays ça yo. Par exemple artistes qui entrent en Haïti ya. Et ça c'est toute on pas qu'à dire importance ouais on travaille de résidence croisée et que nous fait et vaste programme ça et vaste programme ça n'est pas seulement concerné résidence croisée yo. Il permet tout que en fait il y a tout un travail qui est fait par rapport à de formation pour des professionnels dans Caraïbes qui semble à vendre parce que nous avons un passé colonial, nous avons toute force parce que en même temps tout gain un pont qui relie culture qui est très intéressant. Donc et c'est ça que nous voulons montrer la mise en commun en réseau et pays sahéo institutions culturelles sahéo côté au moins qu'à faciliter plus échange entre Haïti et pays sahéo. Voilà ce directeur exécutif centre dans la Alain B. Augustin Soubopal Ville Poupée et cap coordonner exposition pas de cacher fierté pour diriger une exposition comme ça commissaire exposition qui fait connaître le travail Jamaïque déclaré art dans Caraïbes blanc vraiment important pour lui et vers les poupées dit une bagaille qui marquait différence qui gagne dans discours artistique avec ressemblance qui gagne dans œuvre il dit ça marque et différence qui gagne entre discours et puis à ressemblance qui gagne dans œuvre artiste qui dans Caraïbes là n'a pas des commissaires exposition Archipelago et qui s'est veri pour payer toujours dans conférence pour la presse. So I want to thank first of all the Centre d'Art for being here. Merci tout le monde, especially Centre d'Art pour participer dans le projet ça, dans commissariat d'exposition et puis dans stage tout. La vive et puis la travaille en Jamaïque, donc l'art caribéen important pour lui. C'était une expérience qui était enrichissante en pile pour lui qui a travaillé dans le pays ça avec étudiants et puis avec artistes et tout. Une exposition nous avons eu quelques œuvres déjà et puis nous avons rencontré quelques artistes dans YouTube qui l'a joué bien. Il y a quelques stagiaires qui ont participé dans le stage commissariat d'exposition et puis dans le séminaire d'écriture critique d'art qui l'a tout. Donc ils ont même présenté techniquement que ils ont écrit sous Avadario, je veux dire. So the work in the exhibition is almost all work that was produced during the residences. There's a few exceptions of work that was done later on. L'œuvre qui là, c'est œuvre qui était produite en résidence, mais il y a quelques exceptions tout. Il y a quelques œuvres là-dedans qui n'ont pas été faites en résidence. Mais quand on repose toujours, la résidence a été faite, qui a ajouté tout, que c'est pour bon. C'est pour Kier Edman, par exemple, qui n'a pas été qu'à terminer de travailler parce qu'il était allé. Dans l'exposition, ça, c'est pas seulement pour montrer un vieux, mais c'est une sélection qu'on a fait pour qu'on ait un contexte avec interprétation un vieux. Tout.
sujet qui t'a interpellé, c'est que les cas que tout artiste gagne, bon, façon paillot, mais en même temps, il y a une semblance tout dans gens y a travail ou bien y a pensé. On a fait visite d'exposition, on a pas invité nous pour regarder qui semblance nous kawé, à qui différence tout. Between what they do. Donc, and I will stop here. Voilà, des artistes jamaïcains dans Ville et Poupée qui t'a parlé comme ça, lorsque responsable secteur culturel dans le bureau UNESCO Haïti, Marie-Laurence Durand, acte spécialiste dans le programme culturel dans UNESCO Kessler bien-aimé, félicité Centre d'art pour réalisation exposition ça qui a duré un mois. Marie-Laurence Durand à Kessler bien-aimé t'a profité et parler de situation difficile résidence croisée a fait face surtout dans contexte côté situation insécurité à Blaï. Yon après l'autre n'a attendé responsable secteur culturel dans bureau UNESCO Haïti à Marie-Laurence Durand acte spécialiste dans programme culturel dans UNESCO Kessler bien-aimé toujours dans conférence pour la presse côté Joubert Joseph te présent pour Radio Kiskeya. Moi content en pile et moi hâte pour découvrir résultat atelier résultat toute belle activité ça qui était financé il est vrai par le FIDC à partir du projet qui était lancé depuis 2019. Nous pas qu'à pas souligner résultat même sans avant Noël mais résultat travail tête ensemble espoir élan créativité intelligence qui était semblé ensemble pour venir jusque jeudi en 2022. Tout projet qui était supposé fini depuis un an et demi, depuis 2020. Et nous là toujours. C'est bien ça. Depuis 2021, c'est ça. Un an et demi, deux ans. Parce que nous vivons en Haïti. Nous vivons en Haïti. Nous travaillons. Nous espérons joindre moyens pour dire vérité pas nous. Et c'est pour accompagner toute qualité ça y est, toute compétence ça y est qui vient pour renforcer FIDC à exister. Moi content que nous jouons exposer ça, c'est-à-dire fonds centre d'art Bailly à travers projet ça qui initié bien entendu en application en 2018 et la mise en œuvre de ce projet et en 2019 avec toute difficulté que Laurence essayait et signaler là. Félicitations et bravo au centre d'art qui tient la route parce que c'est en général l'OM mode bagage soit passé gain sécurité sous financement tout. Donc, c'est-à-dire il faut prouver, bien entendu, et à comptabilité de l'UNESCO, que vraiment on est en bonne route. C'est-à-dire on peut atterrir. Et je crois que c'est à ce moment intéressant que justement le board finalement du FIDC a content que pouvait atterrir parce que son défi, son challenge est de 2018 à Kounia et que pouvait arriver en côté. Ce qui est important, c'est qu'on ait bon résultat. À tous bénéficiaires, et notamment de projet ça, qui c'est un projet porté spécialement sous femmes, sous mesdames, parce qu'il s'agit de quoi? Il s'agit de mise en réseau de femmes créatrices, bien entendu, et promotion, et en termes de art caribéen, c'est-à-dire art qui concerne nous-mêmes dans la région. Voilà, c'est deux responsables questions culturelles dans UNESCO, Marie-Laurence Durand, et secteur culturel dans le bureau UNESCO Haïti, et à Kessler, bien-aimé, et spécialiste dans le programme culturel, dans la conférence pour la presse. Pas gagné lettre pour petit bébé tant que lettre similac non série de maquettes aux États-Unis et bien ça tourne une crise politique pour président Biden républicain a tapé sous lui pour ça et en pile rayon t'avait dit étagé dans maquette yo vide les familles yo à l'acheter lettre pour petit bébé yo et yo pas joine ni et ça tourne une crise et qui mettait maison blanche tête en bas et maison blanche fait connait il prend très au sérieux le fait que pas gagne lettre petit bébé et qui manquait et petit bébé ou pas jeune dans maquette yo États-Unis a fait face à une crise lettre pour petit bébé qui tournait une crise politique pour président Joe Biden et selon et fournisseur données Data Assembly il fait connait valeur stock là qui réduit lettre préparé pour petit bébé arrivé à 43% dans finissement semaine passée. Mais gen des côtés pas gain du tout, situation pas améliorée pendant semaine ça, c'est depuis l'œil une gros usine à botte qui fabriquait lait petit bébé était obligé camper parce que gen deux petits bébés qui étaient mouri, ont été quoi à cause lait qui était touyé mais enquête la justice vinn blanchi compagnon, mais compagnon pourquoi relancer toute usine yo, ça vinn ba une crise. Et républicains ont profité de ça, ils ont accusé administration d'après avoir dit bay vague, dit indifférent ou bien l'irrité l'attendre ni croiser bras, dit pas faire rien pour jeune lettre petit bébé yo.
Maison Blanche et devant situation ça porte-parole dit qui praler et Den Saki et avant que nouveau porte-parole là Karine Jean-Pierre prend maître là et t'a justifié devant la presse il fait connaître son travail il a fait depuis plusieurs mois et d'après ça madame Saki fait connaître et les tout journaliste a bombardé la question qui est il a une lettre petit bébé yo il dit administration travaille sur plusieurs plans li lanse appel voye bay parents yo rete tête frette n'a d'autant de relou et nous pas indifférent n'a fait tout ça n'est capable et d'après ça dit dans e briefing ça d'administration Biden nan, envisager d'abord pour augmenter importation lait pour faire face à un problème ça les petits bébés yo tant que similac alors que États-Unis produit 98% lait pour petit bébé la kaili que petit bébé la kaili boit et il dit tout il a travaillé avec chaque état qui dans fédération américaine pour joindre une solution plus rapide que possible à crise qui tournait en crise politique. Non conférence pour la presse hier coordonnateur général Union parents élèves progressistes haïtiens UPEP Léolitodu fait qu'on est population pas capable espérer joindre sécurité parce que gain membre dans gouvernement de facto qui gain nos cité dans mauvaise affaire à la tête UPEP là profiter occasion ça côté jusqu'à présent yo pa ka évaluer quantité moun ki blessé a mouri a quantité kay ki brûlé. Le président Michel Martelly té libéré plus passé 500 bandits qui étaient dans prison parmi yo yo criminel qui té tué yo professeur na Gonaïve et kounya même criminel ça nan yo parti politique dans la Tibonite. Sous président Jovenel Moïse yo té libéré tout plus passé 450 criminels sans compter il faut député ak sénateur leader politique té bail yo série jeune garçon zam au lieu yo té des livres dans mes yeux. Il peut pas condamner de l'autre côté. Publication faux rapport UNICEF qui fait connaître que 772 écoles qui ferment pour des bouquets, 466 écoles tabac, 264 dans Cité Soleil, 200 dans Matissan, à 500 000 timoun qui pas aller à l'école à cause de bataille gangue dans la plaine à quoi des bouquets. Alors que ben connaît UNICEF qui plus passé 25 années depuis y a cléonné que 500 000 timoun qui pas aller à l'école. Côté UNICEF un chiffre ça. Il peut pas mentir tout. Comment pour pas gain insécurité? L'état doit tout employé mairie à délégation yo kazek yo azek yo plus passé 24 mois alors que gain ministre dans gouvernement qui tourné pigeon voyageur tellement yo parti yo ka bénéficier $600 américains PDM par jour. Il peut pas dénoncer comportement criminel ministre finance là Boisvert qui refusait payer un paquet employé dans ministère d'éducation nationale qui était sous contrat depuis 10 ans à 15 ans, sous prétexte, employé ça a eu trop l'âge. Et combien de l'âge a eu, c'est 55 ans, 54 ans, 60 ans. Tandis que un ministre, même s'il a 85 ans, 90 ans dans le gouvernement, depuis il fait 6 mois, il a eu pension. Et s'il ne peut pas faire 6 mois, il a eu 5 millions de gouttes comme prime séparation. Léon Littori à la tête UPEP, qui c'est Union Parents Progressistes d'Haïti, Cap Défend. Et l'école qui t'est rencontré avec la presse sous situation sécurité qui gagne dans l'école yo. Et UPEP oui, c'est Union Parents Élèves Progressistes Haïtiens. Léo Litodi. Yon l'autre part gen 4 moun qui mouri en babal dans Lamantin 54. Ça passé hier soir d'après information juge titulaire tribunal de paix Kafoua juge Moïse Jean et bay radio Kiskeya non interview. Et juge Jean précisé après Pascal Sanon, il y a un chauffeur motocyclette qui est victime tout en babal, il y a un groupe individuel pas arrivé identifié qui débarqué sous machine yo dans un bar dans un restaurant, il a vidé balle sur 4 monde parmi yo, 2 là-dedans yo mouri sous place. Li rappelé parmi 2 monde qui mouri yo, il y a un policier Gibson Celan et qui était perdu la vie et était couru vers l'hôpital côté le mourir l'hôpital et puis gagne une dame yo pas gagne identité n'a pas des juges de paix titulaire Kafouan et juge Moïse Jean concernant drame ça qui passait dans la commune Kafou 4 points qui mourir en babal hier soir. Hier soir c'est gagné dans le premier temps la police qui informé non gagné un monde que yoté qui répond au nom de Sanon Pascal, lycée président syndicat chauffeur du côté de la Martin 54, yoté fusil. Juge Forestal de informé lui, moi pas disponible, il était allé sur le lieu, il était fait constat légal. Quelques temps après, quelques heures après, la police vient informer
et nous encore gagné une fusillade, une machine qui débarquait dans un bar restaurant et que l'état fusillé et bandit ça yo non capable de comme ça ta descend machine avec c'est pas avec arme de poing non c'est avec arme longue yo ta et tiré quatre moun gen deux là-dedans yo qui étaient morts sur place et dont un policier répondant au nom de Gibson Célan qui était allé à l'hôpital Difini 63 et l'hôpital Adventiste là et que nous-mêmes aux environs de 10h jeudi à nous sommes allés sur les lieux pour nous constater policier ça qui était mort mais il pas mort dans même moment il était al mourir sur cabane de l'hôpital non mon ça yo capable baoul yo gagnon policier qui répond au nom de Wisley Bernard actuellement qui a pris ses soins dans l'hôpital du Kine 63. Gagnon l'autre mon encore c'est Jean-Marie Johnson le 22 mai 1987. Gagnon dame qui mourit non pas qu'à révéler l'identité jusqu'à présent. En gros c'est comme ça. En total combien de monde qui mourit? Est-ce que premier monde qui était mourir il y a avec Zach et qui fait dans deuxième partie on parle de fusillade là? Nous pas qu'à déterminer ça, il t'a semblé ça, mais nous-mêmes de notre côté, nous pas vérifié ça quelque part, nous pas qu'à dire qu'il y a un lien avec lui, mais c'est quelques heures après, ou deux heures après, et l'autre et incident de la table là, il est produit. Gibson mourit, Damna mourit, Jean-Marie Johnson mourit, Wesley Bernard, il est sous cabane de l'hôpital. Mais, il y a un monde, il répond au nom de Sano Pascal, qui est président syndicat, qui mourit. Ça fait au total deux gros incidents à eux, fait au total, on peut dire, il y a quatre monde qui mourit. Voilà, c'est juge de paix et commune Cafouan, qui t'a porté précision à eux pour nous, et juge de paix Moïse Jean, concernant fusillade ça qui passait dans commune Cafou hier soir. Et puis Émirats Arabes Unis en deuil puisque président état ça Émirats Arabes Unis Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan et c'est lui-même qui fait tout développement qui gagne pendant deux dernières décennies ça qui vient mettre Émirats Arabes Unis dans niveau lié sous scène internationale là limouri c'est ça journée jeudi autorité a annoncé. Gouvernement décrété un deuil national officiel côté tout drapeau à Mima pour une période 40 jours. D'après sa agence presse officielle, la WAM fait connaître, chef l'État, gen quelques jours patrouille paraît en public, depuis le victime de AVC dans le mois janvier 2014. Il était fait dans le mois janvier 1948, Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, te remplacé papal dans l'année 2004, papal qui était Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan. Il est président et puis fondateur Émirats Arabes Unis, qui est un état très riche qui est dans le golfe arabo-persique, qui a 7 Émirats là-dedans, là-dedans Dubaï et puis capitale là Abu Dhabi. Depuis il a fait accident cardiovasculaire en l'année 2014 et ses frères là Mohamed Ben Zayed, prince héritier Abu Dhabi, il y aurait les MBZ, c'est lui-même qui a dirigé les affaires pays ça et il est considéré comme héritier de facto monarchie pétrolière ça qui a pile influence. Après en 1971 établi fédération ça qui gagne Abu Dhabi, Dubaï, Cheikh Khalifa te nommé vice premier ministre en nouvel état et te nommé en place ça li a dirigé conseil supérieur pétrole là un organisme qui gagne en pile pouvoir dans domaine énergétique dans région ça. C'est là n'a campé rete sou, juste avant nous aller rete sur Radio Kiskeya pour reste programme nous bien entendu et semaine ça dans son série de rappels n'a fait et nous te parlo de disparition et hier c'était Moïse Sixto et jeudi on a parlé de disparition un grand artiste haïtien c'est Antoine Rossini Jean-Baptiste Timano et nous connaît qu'entrer dans l'histoire musique populaire musique compar en Haïti, il était fait 1er juin 1953 dans Gonaïves, il mourit 13 mai 1985 dans New York à l'âge 37 ans.
il était jeune en série de grands et groupes musicaux tant que DP Express, Volo Volo et puis il était créé propre groupe PAL, Diminize All Stars. N'attendez un extrait dans musique Timano et certainement Timet a gain pour retourner sous anniversaire ça et 37 ans depuis Timano t'a quitté nous.